Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment génial si vous souhaitez apprendre un nouveau langage de programmation ou encore si vous souhaitez vous améliorer dans le développement logiciel de manière générale. Et ce site, c'est Coding Game. Donc comme vous pouvez voir dans le nom, il y a Coding et il y a Game en même temps. Alors comme je vous le dis souvent, pour apprendre efficacement un nouveau langage ou la programmation de manière générale, il faut pratiquer énormément. C'est pas simplement en regardant des vidéos ou des tutos qu'on va s'améliorer, c'est en pratiquant réellement. Et pour ça, il faut faire soit des exercices, des TP ou des sujets qui sont perso que vous voulez réaliser en développement logiciel. Le problème, c'est que c'est pas toujours simple de trouver des sujets qui vont être intéressants et vraiment pratiques pour pouvoir mettre en pratique ce que vous avez appris dans le développement logiciel. Et justement, dans mes formations, ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner un maximum d'exercices et de TP pour que vous puissiez pratiquer. Mais si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller faire un tour sur Coding Game. En fait, le principe du jeu, ça va être de vous proposer différentes missions. En fait, c'est des sortes de petits jeux. C'est ça qui a un petit côté jeu vidéo, vous verrez. Et en fait, pour réaliser ces différentes missions, vous allez devoir réaliser un petit bout de code qui va résoudre le problème qui vous est posé. On va avoir l'occasion de revenir tout à l'heure de manière concrète, mais voici en gros le principe de Coding Game. Donc vous aurez compris, ce qui est cool avec ce site, c'est que ça combine à la fois le côté pratique et le côté fun des choses. C'est vraiment le combo parfait pour apprendre de manière efficace. Alors avant de passer à la démo, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu afin de me soutenir. Je vous remercie. Alors là, je vous ai lancé directement le tutoriel pour que vous puissiez comprendre un petit peu à quoi ressemble le site et comment ça fonctionne. Mais on aura l'occasion bien sûr tout à l'heure d'explorer un peu plus le site internet et de voir les autres fonctionnalités qui sont également intéressantes et que nous propose Coding Game. À chaque nouvelle mission, vous avez une petite page d'accueil comme ça qui vous fait un petit résumé de ce que vous avez à faire. Donc on a ici le nom de la mission, la difficulté, donc on voit ici c'est le tutoriel, donc c'est facile, et le taux de réussite qui est de 85%. Donc il y a 85% des gens qui ont joué à la mission qui ont réussi cette mission. On a également une petite info sur qu'est-ce qu'on va apprendre, donc ça c'est plutôt sympa, et les opportunités d'apprentissage. Et enfin, on a l'énoncé de l'exercice. Donc ici c'est simple, on a des vaisseaux qui nous arrivent dessus, et le but c'est de tirer à chaque fois sur le vaisseau qui est le plus proche, afin d'éviter qu'il nous rentre dedans et qu'il nous explose. Donc il y a le petit énoncé, et ensuite on a des petites infos complémentaires ici, notamment la progression que l'on a sur cet exercice, donc je l'ai déjà fait, je suis à 100%, et les succès que j'ai débloqués, donc j'ai débloqué tous les succès qu'il y avait ici. Alors vous voyez qu'il y a également d'autres onglets, donc ça c'est le détail, il y a l'onglet discussion qui vous permet d'avoir des discussions avec d'autres développeurs sur cet exercice, afin notamment de vous débloquer si vous êtes bloqué, vous pouvez poser des questions et avoir de l'aide. Ensuite vous avez l'onglet solutions, donc dans cet onglet vous allez retrouver vos solutions que vous avez déjà appliquées, également les solutions des autres développeurs, comme ça ça vous permet de vous inspirer d'autres personnes. Donc ça c'est plutôt sympa. Et enfin ce qui nous intéresse le plus ici, c'est résoudre pour lancer la mission en question. Donc là c'est le tuto, il vous explique un petit peu comment ça fonctionne, donc il nous dit bienvenue sur la page d'accueil. En fait, ça se découpe toujours de la même façon. On a sur la gauche les informations de la mission qu'on doit résoudre, donc le sujet qui nous est rappelé avec les détails des règles. On a une petite animation ici qui nous permet de voir l'avancée de notre solution. Ensuite, on a sur la droite ici l'éditeur de texte pour écrire notre code. Alors, ce qui est cool dans Coding Game, c'est qu'on peut coder dans plein de langages de programmation. Vraiment une liste hallucinante. On va voir ça d'ailleurs. Vous voyez ici qu'il y a la liste des différents langages de programmation. Et vous pouvez choisir celui que vous préférez ou celui que vous souhaitez apprendre. Donc là, par exemple, on va prendre le C. Et ensuite, vous avez un bout de code qui est auto-généré, qu'on vous donne en entrée. Et le but, c'est d'écrire du code, notamment ici, pour résoudre le problème qui nous a été posé. Alors vous voyez que c'est sympa, ici, pour le tuto, il nous donne directement le code à copier-coller. Donc on peut copier le code et venir le coller directement. Donc on fait suivant, et là, il nous dit qu'on peut tester notre code avec le petit bouton de test ici. Donc on voit les différents tests ici, bon, il n'y en a qu'un seul. Et en fait, ça correspond à ce qu'on appelle en programmation des tests U, ou tests unitaires. Et c'est quoi un test unitaire? C'est simplement un test dans lequel on va dire « Voici ce qu'il y a en entrée de notre fonction, et voici ce qu'elle est censée faire en sortie. » Ensuite, on va lancer notre programme, donner les données d'entrée à notre programme, et on va vérifier qu'en sortie, on a bien la sortie qu'on avait souhaitée. Par exemple, on va prendre une addition, 3 plus 2, c'est censé donner 5. On fait une fonction qui fait une addition, on lui donne 3 et 2, et on vérifie que la sortie de cette fonction, c'est bien 5. Et si c'est le cas, le test est OK, ça passe au vert, et si c'est KO, ça passe au rouge. Et bien ici, c'est la même chose, on va retirer le petit bout de code qu'il nous a donné, on va lancer le test, et vu que là, on ne va rien faire, on voit que on perd la partie, tout simplement, parce qu'on se fait tuer directement. Alors comment ça fonctionne exactement? Donc comme je vous ai dit, il y a l'énoncé ici, l'énoncé il est simple, on a des robots qui nous arrivent dessus, et on doit regarder la distance entre les robots
et notre tourelle et vérifier quel est le robot le plus proche et détruire ce robot. Donc on retrouve ici dans l'énoncé les informations, on voit qu'on a à chaque fois deux ennemis qui nous est présenté. Donc un ennemi 1 et son nom, sa distance par rapport à la tourelle, et pareil pour l'ennemi 2. Et donc ce qu'il faut faire ici, c'est tester la distance des deux robots et prendre le robot qui a la distance la plus petite par rapport à nous. Et ensuite afficher le nom du robot en question pour tirer dessus. Donc là on fait un petit test, un if. Si la distance du robot 1 est inférieure à la distance du robot 2, alors on tire sur le robot 1 parce que c'est lui le plus proche. Sinon, c'est le robot 2. Donc on peut tester ça, on réessaye, donc on relance, et on voit la petite animation qui se fait, et à chaque fois on tire bien sur le robot le plus proche, et du coup on ne se fait pas tuer, et normalement on va réussir à détruire tous les robots ennemis. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est en bas, on a la sortie de notre programme, et on voit qu'on peut rejouer pas à pas tout ce qui s'est passé, et voir les différents robots qui se font tirer dessus les uns après les autres. Alors là ici, il n'y a qu'un seul test, mais bien sûr après il y en aura plusieurs, et pour tous les lancer, vous pouvez cliquer sur tous les tests ici. Et une fois que vous avez terminé les tests, que tout est ouvert, eh bien vous pouvez soumettre votre solution avec le petit bouton ici, soumettre. Donc on va le faire, on soumet. Là, il nous dit qu'on gagne de l'XP. On est en fait dans un système vraiment gamifié, on aura l'occasion de revoir ça tout à l'heure, et du coup vous gagnez de l'XP et donc des niveaux. Et ensuite, on a un petit résumé de notre victoire avec le pourcentage de l'exercice qu'on a fait, ce qu'on a travaillé plutôt, l'XP qu'on a gagné, les différents succès, etc. Après, on peut mettre bien sûr une petite note et on va faire un retour à l'accueil. Et ça me permet ici de vous présenter l'accueil du site. Donc c'est un petit peu le hub central de votre profil, ici du mien. Et on va avoir quelques informations classiques. Donc on va voir ici les différentes missions que j'ai réalisées, les différents certificats que j'ai débloqués. Donc vu que j'ai commencé le jeu il n'y a pas très longtemps, j'ai pas encore débloqué beaucoup de choses. Les différents langages que j'ai pu utiliser, dans quelles proportions. On peut monter les niveaux en utilisant plus ou moins un certain langage. Et les différentes habilités que j'ai travaillées. Donc ici pour l'instant que les conditions, parce que j'ai pas fait beaucoup de missions. Et on retrouve des choses vraiment très proches du jeu vidéo, comme ici le niveau, avec l'XP que vous avez gagné et l'XP avant le prochain niveau. Et ensuite, on a les succès, donc j'en ai débloqué 15 sur 271. Et ensuite, on a une sorte d'arbre de compétences, donc là ça fait vraiment jeu vidéo, clairement. Et on retrouve notamment dans cet arbre les différentes missions qu'on a pu réaliser, donc l'introduction qu'on a faite ensemble tout à l'heure. Il y a d'autres introductions que je vous laisserai découvrir par vous-même. Je vous recommande clairement de créer un compte et de tester ça d'ailleurs, c'est super intéressant. Et ensuite, vous avez des bifurcations dans cet arbre de compétences en fonction de ce que vous souhaitez travailler. Donc ici, on a par exemple la partie IA, et ici la partie algorithmique que j'ai un petit peu testée, et IA, j'ai pas encore testé. Et on a du Clash of Code, on aura l'occasion de revenir dessus, mais c'est finalement des défis en ligne que vous allez pouvoir faire avec d'autres développeurs. Et vous voyez qu'après, il y a plein d'autres arbres de compétences que vous pouvez débloquer avec d'autres missions, etc. Donc ça, c'est vraiment la page d'accueil qui vous permet de résumer les informations et de voir un petit peu votre avancée sur le jeu. Ensuite, vous avez activité, donc tout d'abord entraînement, ça va être une liste de missions pour pouvoir vous entraîner. Ensuite, vous avez la partie compétition, qui va vous permettre de faire des compétitions avec d'autres développeurs en ligne, avec notamment le fameux Clash of Code. En fait, vous allez avoir une salle dans laquelle vous allez rejoindre d'autres développeurs, et le but, ça va être d'avoir un défi qui va être commun à tous les développeurs, et comme dans tous les jeux multijoueurs un petit peu compétitifs, ça va être le premier qui réalise tout correctement et le plus rapidement qui aura gagné. Ça peut être intéressant si vous aimez bien les défis et les gens en ligne. Ensuite, vous avez la partie coopérer qui a l'air vraiment top, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de le tester, c'est encore en bêta, il faut se préinscrire. En fait, ça va être un escape game en ligne, donc sur Internet, que vous allez pouvoir faire à plusieurs. Et l'idée ici, c'est ce qu'ils mettent bien en avant, c'est que c'est à la fois pour les développeurs et les non-développeurs. Et le but, c'est que pour résoudre les énigmes de l'escape game, on va avoir des notions, notamment de développement logiciel, à mettre en place. Donc c'est super cool pour déjà vous améliorer dans le développement logiciel, mais aussi pour faire découvrir le développement logiciel à des personnes non initiées. Et ça me plaît beaucoup. On aura peut-être d'ailleurs l'occasion de faire une petite vidéo sur cette chaîne à ce sujet, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Et enfin, vous avez la partie apprendre. Donc j'ai pas encore été naviguer beaucoup dans cet onglet, mais apparemment c'est des tutos qui vont vous permettre donc d'apprendre les différents langages de programmation. Ensuite, vous avez l'onglet communauté, vous retrouverez les choses classiques d'une communauté, donc le Discord, le forum, le blog, etc. Et un truc très intéressant, c'est contribution. Et en fait, contribution, ça vous permet de créer vous-même des mini-jeux que vous allez pouvoir proposer à la communauté. En fait, les différents énigmes, les différents jeux que vous allez pouvoir faire sur Coding Game, il y en a qui sont créés en effet par Coding Game, c'est souvent les meilleurs, et il y en a d'autres qui sont faits par la communauté. Franchement, il y en a aussi des très intéressants. J'ai eu l'occasion de tester un peu de tout, donc des jeux faits par Coding Game et des jeux faits par la communauté. Il y en a certains qui sont vraiment très intelligents et bien faits. Vous pouvez très bien en créer vous-même et les proposer à la communauté. Ça, c'est top. Et enfin, l'onglet « Trouver un job ». Donc ici, c'est simplement un profil que vous allez remplir. Vous allez indiquer ce que vous recherchez comme type de job, le salaire que vous souhaitez à peu près,
le domaine dans lequel vous souhaitez travailler, etc. Et s'il y a un match qui est fait avec des recruteurs, bah, ils vont vous mettre en relation avec eux. Donc ça peut être une super opportunité si vous cherchez actuellement du travail. Et en plus pour les recruteurs, c'est cool parce qu'au lieu d'avoir un CV qui peut être super mitonné, bah, ici il y a un profil, bon, bien sûr il peut être mitonné, mais on va dire que les gens sont à peu près sérieux, vous avez un profil dans lequel bah, la personne peut se rendre compte à peu près de quel est votre niveau en développement logiciel et ce que vous savez faire. Donc ça peut être intéressant également pour les entreprises, ce site. Donc voilà en gros ce qu'il y a d'intéressant sur ce site. Bon, j'ai pas eu encore l'occasion de naviguer sur tous les onglets, mais c'est ce que j'ai pu voir en tout cas d'intéressant que je voulais vous partager. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous inscrire sur Coding Game et comme moi de vous amuser tout en apprenant le développement logiciel. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire également si ça vous intéresse que plus tard je fasse d'autres vidéos sur Coding Game avec des sujets un peu plus compliqués que ce qu'on a vu là. Et peut-être même, je sais que vous aimez bien ça, bah, me voir un petit peu galérer sur des sujets un peu plus compliqués ou tout simplement s'amuser en essayant de résoudre un problème avec un langage que je connais absolument pas et que je découvrirai en live avec vous. Donc n'hésitez pas à me mettre toutes ces suggestions dans les commentaires, j'hésiterai pas à les lire et ensuite à vous faire d'autres vidéos sur Coding Game. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. A plus !